Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour le tirage 3 cartes du lundi 20 mai 2019. Alors aujourd'hui j'avais envie de, pour innover, pour changer, d'utiliser donc du coup l'oracle des rebelles sacrés. Voilà. Et donc du coup pour innover, avec 3 cartes, ça, rien d'innovation, rien d'innové, rien d'innovant. Voilà. Je vais simplement vous dire de respirer, de se reposer l'esprit, mettez sur pause, trois fois, trois respirations, on inspire et on expire trois fois. Ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais vous demander de choisir une de ces trois cartes. La première qui vient en moins de 6 secondes. 1, 2, 3, 4, paf, ça y est, tu as choisi? C'est bon. Maintenant, nous allons vérifier ensemble à quoi ça va correspondre. Et, petite nouveauté, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un bonus, un quatrième bonus. Chaque carte, je vais vous dire à peu près à quoi ça correspond. Et je vais vous poser une question qu'il va falloir que vous répondiez par rapport à la carte. Voilà, la nouveauté. C'est parti. Nous allons donc utiliser la première carte. Et comme vous savez, je vous accompagne en tirage et en guidance à distance. Donc du coup, si vous voulez me retrouver, contactez-moi en message privé sur Messenger ou sur mes services qui s'afficheront en bas en fait de la vidéo. Sur Tipeee, sur Webnode, vous aurez toutes mes coordonnées. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti, nous allons donc voir la première carte de l'oracle des rebelles sacrés. Alors ce que je voudrais, c'est que vous regardez bien la carte, voilà, ce qui en vaut la peine, voilà, c'est bon, voilà, vous la voyez bien, ok, cool. Alors il faut savoir que cette carte, ce qui en vaut vraiment la peine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cœur est la clé pour vivre une vie authentique. L'amour est ce qu'il y a de plus important dans le monde, il faut savoir. Et la question qui correspond, c'est quoi d'autre en vaut autant la peine? Quoi d'autre en vaut autant la peine? Voilà. Donc si vous avez choisi cette carte, prenez cette question et répondez à cette question. Quoi d'autre en vaut autant la peine? Et laissez-moi en commentaire dessous la vidéo votre réponse. Merci. Voilà. Nous allons utiliser donc la deuxième qui est plongée vers la lumière. Voilà, on regarde, voilà, c'est bon. Attendez, hop là. Plongée vers la lumière. Ça veut dire que cette carte correspond à que vous êtes courageux ou courageuse. Sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous avez du mal à l'accepter. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, n'ayez pas peur. Et la question qui correspond, c'est pour qui te prends-tu? Et là, c'est pareil. Pour qui te prends-tu? Tu me laisses ta réponse en commentaire sous la vidéo. Et troisième, tadadam, c'est tout voyage commence par un premier pas. Voilà, là on voit bien. Donc tout ce qu'il faut que tu dois savoir, c'est que tout ce que vous avez besoin est en vous, les amis. Laissez derrière vous ce qui était merveilleux. Pourquoi ne pas aller vers ce qui vous correspond le plus maintenant? Pourquoi ne pas aller vers ce qui vous correspond le plus maintenant? Donc laissez-moi ça en commentaire. Voilà. Votre réponse. Et comme je vous ai dit, le quatrième bonus, en fait, tout simplement, pour finir cette vidéo, c'est de vous abonner et de partager un maximum. Non, c'est une blague. Non, le dernier bonus, en fait, que j'ai envie de vous partager, tout simplement, c'est d'avancer petit à petit, pas après pas, les amis. Il faut savoir que la réussite de notre succès se fait petit pas à petit pas, tout simplement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer, à partager, à vous abonner, à répondre aux trois questions de ce tirage.
Et si vous voulez aller encore plus loin, eh ben, contactez-moi en message privé. C'était votre coach spirituel. Pour vous remercier, je vous fais des gros gros bisous, un gros gros câlin du cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos. Je vous aime.